Ça y est, donc vous le savez depuis la précédente vidéo, je suis à Oud Bey, je suis à la marina et je vais pouvoir commencer les réparations. Donc dans cette vidéo, j'ai déjà commencé avec le pilote auto et le désalinisateur. Donc le pilote auto, super important, bon, il marche, hein, mais j'ai voulu l'ouvrir et correctement le vérifier, voir si tout était correct. Et pour le dessal, bah, ça serait bien que je l'aie, mais bon, après si ça marche pas, c'est pas grave, j'ai 150 litres d'eau potable à boire pour la traversée de l'Atlantique. Et donc ça c'est un truc que je vais vous annoncer, je ne vous l'ai pas dit, donc j'ai décidé de partir en solitaire pour traverser l'Atlantique. Donc c'est depuis longtemps je voulais naviguer, traverser un océan seul ou faire quelque chose, une navigation seule. Donc j'ai déjà navigué un petit peu tout seul en Australie, mais là ça, un océan ça va être la première fois. Et j'ai décidé aussi de partir directement à Sainte-Hélène de Cape Town. Donc je vais pas en Namibie parce que bah, il va falloir refaire un check-in, check-out et puis voilà, je vais partir directement à Sainte-Hélène. Très propre là-dedans. Hein. Alors vous voyez, voici la spool valve, petite valve en plastique avec deux joints au milieu et deux joints sur chaque extrémité. Donc apparemment, ça venait de cette petite valve le problème. Donc, je vais changer ça et puis on va le tester et on va voir. Mettre un peu de graisse silicone, hop, sur les joints. Test du désalinisateur. C'est un peu sombre là, on voit pas grand chose. Bah écoutez, visiblement il a l'air de marcher. Bon, on dirait bien qu'il marche. Donc là ça fait une demi-heure qu'il tourne et il a pas claqué une seule fois, donc bah, visiblement c'est réparé. Ça c'est cool. Alors aujourd'hui c'est une super journée pour aller à Seal Island. D'ailleurs, ça fait bien longtemps que j'ai pas utilisé l'annexe, donc on va aller voir Seal Island. Et je crois qu'il y a une belle falaise, ça va être super. Thank you.
vous pouvez voir, il y a les otaries partout. Juste là, sous l'annexe. Comme vous pouvez voir, c'est le spot secret ici. Personne ne pourra connaître ma plage. Alors, moi, il y avait des mecs qui étaient en train de pêcher des choses et je savais pas trop ce que c'était. Je me demandais si c'était pas illégal et tout. Et ils savaient qu'il y avait ces coquillages ici, ceux-là. Et je crois que c'est interdit de pêcher ça en Afrique du Sud. Ils étaient dans un coin, là je les ai vus partir, donc je suis là, dans un coin, et j'ai bien l'impression que c'est des braconniers, des poachers. Enfin, je sais pas, je vais voir si c'est interdit ou pas. Ah oui, ils font pas semblant hein, ici quand ils ramassent. Et puis là il y a les voiliers derrière qui sont en train de régater. Ah, il y a une vue de malade ici, c'est génial. Regardez un peu ce paysage. Sur un rocher, sur la petite plage là. Et là derrière, ici, juste là, il y a Seal Island avec toutes les îles. Enfin, non, c'est pas Seal Island, c'est. C'est pas Seal Island, mais bon, je l'appelle comme ça. Vous avez vu un peu ce paysage, c'est magnifique. Ça, c'est la zone à caca. Ok, c'est champ de mine. Je vais essayer de passer sans m'en mettre sur les pieds. Alors là, démontage du pilote. Donc je vais vous montrer d'où vient le problème. Donc du coup, je ne vous avais pas montré quand je suis parti d'Islandon, mais en fait, j'ai fait demi-tour. J'ai dû faire demi-tour et voir d'où venait le problème. Et donc cette fois, ça a avéré que ça venait du vérin. Donc j'ai ouvert le vérin. On est retourné au mouillage à Islandon. Donc j'ai ouvert le vérin, j'ai regardé. Et donc il y avait un engrenage qui était encore abîmé cette fois, mais pas les petits engrenages. Que j'avais déjà changé. Il s'agit d'un gros engrenage. Donc, je vais vous montrer ça. Vous allez voir. Et du coup, je l'ai inversé, je l'ai retourné. C'est celui-là que j'ai changé.
Alors vous voyez, je l'ai inversé, on peut voir les vis qui traversent et j'ai dû abîmer un peu le plastique pour mettre les vis. Hop. Ok, hop. Alors, voilà. Donc là, vous avez les petits engrenages que j'avais déjà changés. Et c'est celui-là que j'ai inversé. Donc vous pouvez voir à l'intérieur comment c'est bouffé ici. Et donc bah, c'était dans l'autre sens et ça tournait dans le vide. Donc j'ai dû l'inverser. Mais comme vous voyez, j'ai dû modifier le truc inversé. Comme ça. Donc je vais essayer de refaire cette pièce en plastique. Et je vais essayer de la faire en métal pour voir. Retiens ici, retiens. Hop. Cette pièce avec les quatre engrenages ici. Je vais avoir un pilote tout beau, tout propre. Hop. On met les petites rondelles en téflon. Et maintenant, je peux positionner mes engrenages que j'ai nettoyés. J'ai vérifié qu'il... Bon, lui, il est un peu... loose. Il bouge un peu dedans. Mais bon, c'est pas très, très grave. Les anciens, ils bougeaient vraiment beaucoup. Là, j'en avais 4 en bronze. Et il y en avait 2 qui étaient vraiment super loose à l'intérieur. Donc c'est normal que ça s'abîmait. Donc je les ai remplacés par ceux en plastique qui étaient encore bons. Donc lui, ça va. Et le dernier, tac. Voilà, donc là, ça fait l'affaire. Voilà, là, j'ai nettoyé la pièce qui avait des problèmes. Enfin, j'ai nettoyé la partie métallique, en fait, qui servait d'aimant pour cette pièce ici, qui donnait les informations. Et je l'ai nettoyée aussi, elle était un peu rouillée, donc ça peut peut-être aider. Et donc là, vous pouvez voir, là j'ai poncé ce côté, j'ai nettoyé, j'ai percé au forêt dans le plastique pour agrandir les trous pour passer les vis. Parce que du coup, comme c'est inversé, les vis, il fallait qu'elles soient plus longues. Alors, vous voyez, ça rentre un peu plus dedans pour que ça puisse venir se mettre dans la pièce métallique. Donc là, vous pouvez voir comment on s'était mangé les dents à l'intérieur. Donc là, du coup, c'est sur le côté ici, côté extérieur. Et là, bah, ça devrait... Bah, ça a marché, c'est ce que j'ai fait quand on est parti d'East London. Et bah, ça devrait faire l'affaire, je pense. Parce que trouver cette pièce, c'est un peu compliqué. À moins que je trouve un vieux vérin usé auto-helm, comme celui-là. Si j'en trouve un, je peux peut-être récupérer la pièce dessus, mais... Donc ça, pièce très importante, c'est cette pièce qui m'a fait tout foirer dans le pilote. Donc en fait, cette rondelle qui était là, ici, qui tenait en fait cette pièce, qui empêchait cette pièce de sortir, quand je l'ai retirée, bah, j'avais pas la bonne pince, je ne sais plus comment ça s'appelle cette pince, j'avais pas la pince pour la retirer. Donc je l'ai ouverte avec un petit tournevis en essayant de trop la tordre. Et je l'avais remise en essayant de correctement la mettre et essayer de la remettre au mieux. Et le fait c'est qu'elle a pas tenu, elle est tombée. Donc cette pièce était un peu sortie pendant que le vérin travaillait. Et ce qui a fait que du coup les engrenages se sont mal positionnés à l'intérieur. Et du coup bah, ça a bouffé les engrenages. Et c'est pour ça que l'intérieur était complètement bouffé. Donc bah là, je vais bien faire attention à bien remettre cette goupille et être sûr que ça ne sorte pas. Voilà, donc le pilote auto, ça va être bon. Donc là, il a pris beaucoup de propre. J'ai tout nettoyé, j'ai tout regraissé. J'ai mis de la graisse dans la vis sans fin. J'ai vérifié tous les engrenages, la courroie et un bon gros nettoyage. J'ai aussi ouvert le moteur. J'ai aussi ouvert le moteur pour vérifier les charbons s'ils étaient en bon état. Donc il y avait un peu de poudre de charbon donc, que j'ai nettoyé, j'ai retiré. Et bah voilà, je pense que ça devrait faire l'affaire. On va tester ça après.